Eh bien, c'est parce que le système de justice n'a pas fonctionné qui la cause ces paysans qui ont sanctionné pour nous. C'est parce que le système de justice n'a pas fonctionné et qui la cause paysans qui ont sanctionné pour nous. Déclaration PM Gaïkoni. Sous dossier Michel Joseph Martelly, que département Trésor États-Unis prend décision pour capable sanctionner monsieur. PM Gaïkoni croit, PM n'en croit tout, c'est responsabilité l'État haïtien à travers ministère Justice pour contacter États-Unis pour demander tout détail sous dossier ça. Pour informer peuple haïtien. Ça veut dire que PM Gaïkoni li ba garanti que gouvernement l'a dirigé et comme chef CSPN, yo prend très au sérieux question sanction que département Trésor États-Unis bail avec Michel Joseph Martelly. Et selon ça que nous apprendre qu'il va attendre PM nan entendre pour que pays, société, connaît exactement qui monte tout l'empire dans quatre dossiers, sanctions matériels, trafic drogue, trafic d'armes, blanchiment d'argent. Et c'est ça département Trésor reproché avec ancien président Michel Joseph Martelly, Désir Venesse. La citation du premier ministre Dr. Gaïkoni, c'est dans le cadre de la visite li dans le cap haïtien. Selon lui, c'est pour évaluer ensemble de et moyens qui capable de permettre le développement fait dans la deuxième ville pays. Il visiter ça qui est pour avec l'aéroport, AAN, il discuter avec eux, il visiter l'hôpital, il discuter avec responsable l'hôpital, sans compter l'autre institution importante qui est dans le grand pays, que le premier ministre Dr. Gaïkoni, il pratiquement visité. Il essaie donc de regarder en pile l'autre infrastructure qui gagne dans deuxième ville pays, tant que l'hôpital universitaire Justinien, usine électrique, Aka Josie Manti, li entendu tout dans mission officielle qu'il te gagné et dans métropolis nord pays d'Haïti, eh bien, chef gouvernement te rencontré à officiel autorité aéroport national et ça qui est pour avec AAN et bureau aviation civile, li discuté avec responsable OFNACIO pour décider sur développement régional dans domaine mi Gration, l'explication. Premier ministre Dr. Gaïkoni, en présence autorité locale, accord diplomatique, a profité, rencontrer avec personnalité qui dans la région noire et puis discuter sous crise socio-sécuritaire avec stratégie que le gouvernement doit mettre en place pour empêcher impact insécurité qui est pratiquement dans le département l'Ouest pays, à le département de l'Antibonite, pour le parc et papier dans le département nord pays, l'explication. Gagner. Pierre Espérance, qui a annoncé, ou ta cap saisi, c'est ta PNH là, c'est ta Noamil Rameau, qui t'a annoncé quantité matérielle, yo ta doué gagner cap vini pour yo, les personnes, eh bien, c'est Pierre Espérance, yon nan responsable, RNDDH, c'est lui-même qui a annoncé yon ensemble matériel cap gagner pour vini pour la police. Mais qui ça, Pierre Espérance dit, pendant le parler? Moi, pense, bandi yo rive nan limite yo, yo pral moui, si yo pa remettre zamyo, et puis, ou yon pote tête yon by la police. Yon pral mouri. Parce que bientôt, dans le week-end sa, au soir, dans le commencement de la semaine prochaine, kap vini yon, ça veut dire, dans moins que 8 jours, la police nationale d'Haïti, après se voir, plus passer 20 machines blindées. 20 blindées. C'est ça que Pierre Espérance li parle blesse personne. Par contre, le qui sous ce qu'elle puise, qui fait le bail information si la, et bien, abdi yon, que Pierre Espérance, responsable RNDDHA, te annoncé. Nouvelle si la, yon façon et qu'elle rassure, elle mette accent sur nouveau blindé si la ou ka bien pour venir, c'est pas blindé transport des troupes que yon konwe que la police kon gen. Li parle de yon trentaine lot blindé ka venir pour et officier kenyan yon, ou force multinationale la. Li dit c'est plus que yon soixantaine blindé qui a venir. Les journalistes qui t'ont questionné là, Assad Vol, si t'es demandé, est-ce que c'est des blindés et Acheni qui a venu? Lui dit, oui, semble que c'est dans la dimension qui a venu. Est-ce que Kounia, autorité dans la police, pas Galzi,
que Pierre Espérance li tout annoncé bandi yo, mais qui matériel qui a venu, mais qui gens pour doit arranger. Parce que nous voyons dans tout dernier moment yo, ensemble rapport que la police a produit sur le DCPJ, yo pas veut dire tout avec quel que soit si erreur, quel que soit groupe mon attaque a fait ou même secteur pressant. En pile monde cap analyser si gagne une tentative de babouquette et que Jean-Claude Duvalier nan boudi t'es en train pour t'empêcher travailler la presse, tu travailles avec liberté, c'est ça qui a fait ces fêtes là. En plus, le monde t'a regardé que c'est le gouvernement Konina qui semblait instrumentaliser DCPJ contre surtout médias en ligne comme canal qui permet que l'information arrive rapide, quel que soit côté information. Et ça permet à plus le monde qui dans la population qui a analysé, qui a questionné. Et problème si là, la situation, eh bien, ces affaires, il y a diverses organisations qui défendent le monde. Il y a divers avocats qui font d'office des questions ça. Ministre Justice pays, lui fait office des scandales. RNDDH dénonce le dans dossier libération et Madame Edwin Tonton. Il a fait quoi que c'est cabinet Maître Ekil qui t'a défendu toi, qui t'a défendu Madame Silla. Eh bien, pendant le vin, ministre Justice lui a arrangé ce même cabinet qui fait suivi ce dossier qui permet qu'elle arrive vers une libération de la situation. Dossier Matelia l'a pris dans l'autre dimension. Dans le niveau États-Unis d'Amérique et même en Haïti, si là qui pratiquement dans le gouvernement de transition, qui au moins voulait quitter non yo, personne, après scandale corruption qui est là, yo déjà concerté entre yo, ministre justice, premier ministre, ça qu'on connaît qui c'est ministre intérieur tout, yo déjà discuté, directeur général de la police, yo chita ensemble, nous t'a apprendre même et BLTS qui règle affaire drogue en Haïti, après c'est donc responsable. Chita pour discuter, pour qu'on ait qui cap aborder problème Michel Joseph Matelia qui lié avec question drogue. Parce que ce n'est pas Matelia pour contribuer à la situation, il n'y a pas qu'il y a d'autres monde qui vont côté. Matelia pour les États-Unis d'Amérique, lié en somme transaction qu'il n'y a pas qu'à faire avec la banque, mais en Haïti, il n'y a pas parlé de bien que Michel Joseph Matelia gagne en Haïti. Et divers citoyens haïtiens qui pratiquement gagnent et naturalisé aux États-Unis d'Amérique, ils ont déjà préparé ou ils ont mis une interdiction. Déclaré personne non grata, nous ensemble des states, vous m'attendez pas qu'à mettre pied, même pour la performer blessé personne. Désir Benet Samge, comme ambassadeur, comme information là, m'a dit que m'apprenne. Gen PM Gary Koni, qui lui-même t'a rencontré mercredi TVT en Daoutlan, ministre de Justice, non, M. Carlos Hercule, commissaire gouvernement Port-au-Prince, non, M. Bougouin, directeur ULCC, Hans-Joseph Lulich Joseph et Joseph, responsable aux affaires financières, responsable unité centrale renseignement financier, avec DG la police, Rameau Normil, qui donc, DG et PM Gary Koni, monsieur qui lui-même a regardé dans quel niveau, lui capable d'harmoniser et la police a harmonisé l'État dans la bataille pour arriver quand même. Mais contre question sans régler et banditisme qui existait là, question insécurité, question violence qui est là. Et l'autre information que nous avons des embâches chez nous, nous apprenons que qu'il y a un chef gang, un gros chef gang haïtien, que la police autorité dominicaine a arrêté la caillou dans ce domaine et que 15 autres suspects qui ont arrêté Désir Venès. La police nationale dominicaine s'y allait que, ils ont arrêté jeudi, mais 15 mouns et qui fait ma partie, qui s'est m'en présumé yon bande criminelle que un certain d'eux, alors un chef gang haïtien que un peu moun connaît sous nom Pierre Peggy alias Johnny, monsieur qui s'était membre groupe gang criminel nous trois 400 Maozo, et bien qui n'a quoi des bouquets, et bien monsieur était quitté quoi des bouquets, monsieur était sauvé l'ital Saint-Domingue, la police a cherché monsieur, et selon rapport la police dans Saint-Domingue, mais gang ça et bien les concentrés dans volet et bagay moun camionnette qui a passé sous route Joaquin Balaguerlan qui relie Santiago avec Los Caballeros, Navarrete et l'autre ville dans Sibao. Mais suspect ça qui a arrêté yo, mais c'est 14 garçons et une femme qui a opéré pendant que y a il dit yo mettait sur yo des ensemble des vêtements agents comme si même agent dominicain. Il y a un agent dominicain, il met des choses pour capable de compter vigilance et les gens qui vivent dans l'espace ça. Mais selon ça qui dit, c'est l'autorité dominicaine. Mais parmi les gens qui ont arrêté, il y a un certain de Glenis Gomez Santana, qui est une dominicaine haïtienne et qui est un madan chef présumé gang, qui lui-même c'est, et comme je n'ai pas encore, monsieur qui lui-même c'est Pierre Peggy. Mais c'est ça que l'autorité dominicaine fait qu'on est. Et je dis là, il y a un travail tête collée avec l'autorité haïtienne pour garder comment ils sont capables de voir les gens.
en Haïti désir venir. Nous allons venir avec la question PM Gary Kouni, si que va gagner toi bagage désir concernant ça qui est pour avec la déclaration ça que PM Gary Kouni lui-même il fait désir venir. Ma connaît sur quelque bagage ajouter de plus. Blessed son docteur Gary Kouni, qu'en songer qui était inscrit dans ça qu'il y a avec question et scandale qu'elle était dans Petro-Caribe ou bien dans détournement bien public. Ou quoi que non, elle te fait partie ensemble dossier si là. Mais ça pas empêché qu'elle te vienne premier ministre pays. S'il parlait que justice noire, il pas fonctionné ou bien pas existé sur ce point. Nous cap dit il gagne raison. Je dis comme premier ministre, comme ministre intérieur collectivité territoriale, c'est pas venir faire constat. C'est pas venir plaindre, mais c'est agir pour remembrer autorité de l'État. C'est arranger pour nous restabiliser l'État. C'est arranger pour nous permettre que l'État soit l'État serviteur qui cap corriger ça qui a passé là. C'est pas parler en daki. Je dis les États-Unis côté docteur Gary Kouni, il pratiquement fait 12 l'année, il a travail, il retourne là dans cadre yon mission selon certains secteurs. OK? Ou connaît bien que Michel Joseph Martelly ça a reproché là. Et pas quoi que c'est menti a fait sur lui de fait que ou même comme premier ministre ou t'es collaboré avec Michel Joseph Martelly tout le monde te voit que ou t'es parti quitter job là ou bien ou t'es retiré ou dans job là pas de monde qui te connaît raison fondamentale qui fait que ou t'es quitté job là ou bien ou t'es retiré ou dans job là mais je dis comme ou dormi agent ou gonfler agent ou lever agent ou comme tout ça agent qu'a fait je dis c'est pire activer la police la justice en Haïti pour saisir le dossier. C'est pas venir dire que la justice en Haïti li faible, li pas fonctionner qui fait pays voisin ou a bay coup de main, a aider nous à sanctionner. Et nous-mêmes, nous là, nous constater, nous tenter de qui ça qui reprocher ancien président, c'est pour la justice en Haïti contacter les États-Unis d'Amérique, département trésor pour permettre que un dossier endu non mais yo, il cap permettre qu'il attaque en justice tout bien que Michel Joseph Martelly gagne. Comment faire ensemble de bien qu'elle gagne aux États-Unis, l'État américain saisit yo. Et je dis à nos bons pays qui trouvent dans situation précaire pour quantité bien Michel Joseph Martelly gagne en dedans pays d'Haïti. Qu'est-ce qu'on fait avec comme corruption? Qu'est-ce qu'on fait avec comme drogue? Qu'est-ce qu'on fait avec comme Petro-Caribe? Si yo saisit ensemble bien ça yo, la fait qui change pour pays d'Haïti. Comme c'est même secteur mafia yo qui n'a question bac en Haïti, ou cap mate pour yon faire gel, sous ça que Michel Joseph Martelly gagne, comme compte en bac en Haïti, dans cette personne, la bien envie de tout compte yon, pour soit payer de l'autre monde responsabilité, non, ça qui est pour avec l'argent qu'il gagne dans la bac en Haïti, mais au moins, aux yeux le monde, net ça yon, qui dans le conseil présidentiel de transition, qui dans le gouvernement connu, non, faut que yon font bagay, pour au moins, que moun yon wè, que ont tenté font bagage surtout dans dossier corruption à dossier drogue ça pendant eux même il a parlé d'élection pour éviter pas gain des drogue dealers pour éviter pas gain des corrompus qui viennent soit au Sénat à la députation à la magistrature suprême de la République le président faut que arranger pour mettre des balises blessé personne en revenant avec PM Gary Kouni qui vraiment intéressé pour capable entendre parle avec monsieur là il se sentent dans quelles conditions c'est à zone il y a pour. C'est ça que nous faisons trois bagages. Premièrement, nous avons rationalisé les ressources par nous, incluant l'autre ressource qui est dans l'État. Parce que la semaine dernière, nous avons toute l'administration publique là, pour faire inventaire de sports spécialisés, de pick-up, de véhicules, pour nous capables faire inventaire pour comment nous utiliser nos ressources pour supporter la police. Deuxièmement, dans le cadre budget, nous avons regardé pour nous comment nous avons M. Commission. Dans la zone métropolitaine et ailleurs, équipement au besoin pour être capable de faire travail là au-delà de ancien président Martelly sanctionné qui position et troisièmement Noueli m'a travaillé avec des partenaires très très engagés pour supporter la police là pour aider mobiliser les ressources pour assurer que la police là ait tout ça qu'elle a besoin. Je ne comprends ni et je ne comprends ni qui est aussi important pour moi que la police au Cap dans le Nord équipée bien la quantité qu'il faut pour faire travail que la police justement capable d'engager là à temps plein dans la situation. Vous êtes l'hôpital premier ministre, c'est ancien premier ministre Joseph Michel Martelly. Il y a indexé Joseph Michel Martelly concernant les sanctions au Bali. Position pour vous. Je m'explique comment vous comprenez moi-même. Réfléchis à ça de la perspective de peuple et population haïtienne. La population haïtienne a levé un jour
et il tendait que une pays des amis qui gagne pile moyen annoncer que l'ancien président que l'élu fait des choses qui est assez grave. La population voulait comprendre. Il voulait gagner information, il voulait qu'un détail, il voulait appréhender ce qui s'est passé. Donc responsabilité de l'État, c'est avant tout pour que le ministre de la Justice, là, m'en désigne, s'il vous plaît, partagez avec moi la documentation, partagez avec moi l'information pour me comprendre ce qui s'est passé. Mais deuxièmement, tout, il faut que l'institution responsable pour ça, il même tout, il faut qu'elle garde ce qui s'est passé à peu près, il faut qu'elle essaye de comprendre pour qu'elle vienne expliquer à si la population qui sa bagaille là, il est en réalité. Qui fondement qui gagne dans ça et côté par ça. Donc responsabilité de l'État, c'est ça. Mais bon, il m'a dit non, très important. Il y a une raison qui fait que ces paysans qui ont sanctionné, c'est parce que le système de justice pas non pas fonctionné. Si le système de justice pas non a fonctionné, si nous te prenons responsabilité nous pour que gagner imputabilité, nous n'avons pas besoin, c'est l'autre ami, nous obligés. Dernière question pour finir, BM. Nous avons regardé la mission multinationale de soutien à la sécurité, qui déploie dans le pays depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a opération d'elle seulement dans l'Ouest avec de l'Antibonite, puisque c'est le département ça qui est plus ou moins touché, puis plus face avec le phénomène de sécurité, ou bien c'est une mission qui a vu aider la police nationale, qui a vu des peuples haïtiens, surtout dans ce département? Qui pays amis qui accompagne? Pays amis, c'est une très bonne question. Nous avons plusieurs là. Évidemment, nous avons les Nations Unies, nous avons les États-Unis, nous avons le Canada qui est là avec nous, nous avons l'Espagne qui est là avec nous, nous avons le Mexique qui est là avec nous. Donc, oui, nous avons tout le panneau qui est là. C'est dans le cadre du jeudi diplomatique? C'est une occasion jeudi diplomatique que nous avons bien, mais c'est surtout l'occasion pour nous de venir visiter avec nous. Fais trois points ça. L'isla, c'est. Pas de prince lié, mais qu'il y a des implications pour tout Haïti. Qui est au Cap Kabelice directement? Qui est au Cap Kabelice directement? Réaction sur MMSS, là, c'est que MMSS, c'est ça. Est-ce que la déploie seulement sur le sacrifice? Mission là pour l'accompagner et supporter force de police là pour rétablir la sécurité. Vous avez dit que c'est force police avec l'armée d'Haïti qui a déployé pour assurer le bien équipement, instrument et monde qu'elle a besoin pour le bien sécurité. Dans un état d'urgence? Évidemment, non. Évidemment, dépendamment de qui j'ai besoin, on a décidé avec Fosta comment la déployer pour être capable efficace. Mais rappelez-nous, Fosta n'est pas là pour suppléer la police nationale, l'armée d'Haïti, le ministère de l'Intérieur, le département de la justice. Responsabilité sécurité, c'est responsabilité haïtienne qui est avant tout. Les amis, c'est tout le monde à bas. Nous sommes l'hôpital du tir. Désir, autant des PM, non? Oui, il y a encore responsabiliser la justice haïtienne. OK? Et je comprends ça, PM, non? OK? Je dis là. Mais si PM n'a pas de justice là qui faible, c'est pas non, sous dit faible blessé la justice c'est pas fonctionner voilà pas fonctionner même dit elle pas existé plutôt elle même dit pas existé plutôt parce que sinon si pas fonctionner pas existé mais je dis en là ça moi-même comprendre et ça moi-même moi qu'a dit c'est engagement pour nous comment que nous capables river solutionner et résoudre ça gain là parce que pas oublier Guy Konité chef CSPN bien qu'il pas fait en pile temps peut-être m'pas connait son 3 ou 4 mois là il était premier ministre les saletés il était en les têtes et m'pas connait ministre justice à l'époque là bon, peut-être est-ce que dans 4 mois 3 mois il était fait en il était cagette fort baquet bagaille m'pas connait mais c'est exactement ça comme désir et le bagaille pour nous dit qu'on a qui ça nous va le faire qui ça nous va le faire et pour nous capables, qui ça nous peut faire pour nous permettre que ça gagne la comme situation que notre dossier sanction ancien président Matélien, est-ce que vraiment ça PM n'en dit hein? Qui m'a dit à travers le ministère de la Justice, M. Carlos Hercule, que un peu de monde qu'on est toujours lié avec PHTK,
Bah moi dire non, mais après monde toujours lié avec PHTK. Est-ce que le gars gagne le courage pour que lui contacte lui, lui fait travail lui comme ministre justice pour le demander avec autorité par aux États-Unis yo, pour yo faire connaissance des documents ça yo. Et si toutefois que yo ta joine vraiment des éléments palpables, des bonnes preuves, des bonnes preuves, non même et que matériel impliqué, est-ce que vous prenez le travail dans tête collée avec autorité américaine pour agir contre un ancien président Matéli? Bien dit, si vous avez des bonnes preuves, est-ce que la justice ou l'autorité haïtienne, vous avez comme ça, prenez le travail dans tête collée avec autorité américaine yo, pour que yo agit pas seulement contre ancien président Martelly, mais que qui ban l'autre monde tout que pays Canada, que les États-Unis étaient déjà sanctionnés, OK, et comme on va servir avec ça tout, si yo gè tout dossier nan men yo, yo gè tout bon preuve nan men yo, et puis yo rive réagir contre moun sa yo. Des Ivenes Ken Gavin avec Pierre Espérance. Kounya Blaise, pas gè volonté, pas gè volonté par côté l'État, parce que depuis sous parler Gary Conil, il tout dit que la justice haïtienne pas gagne quelque chose parce que il tout justice ça pas fonctionner. Si vous bon justice qui pas fonctionner, qui Jean le bral fait qu'a fait suivi bon côté autorité américaine yo sous quatre dossiers sanction que prend à l'encontre de Michel Joseph Martelly. Comme nous grand Simon nous-mêmes nous traverser la rue pour coton, nous gagne capacité d'analyse, nous gagne capacité de faire considération sur ça de ça qui dit. Je veux dire nous comprendre. Je veux dire c'est pour agir. L'état pi bon si premier ministre docteur Gary Conil te dit que li prend acte et l'a agi avec gouvernement nan si on te parle bien ministère de la justice ou saisi dossier là parce que si gen sanction étrangère faut gen sanction locale tout ou pas ka arranger tout sanction c'est sanction étrangère que oyé et puis Michel Joseph Martelly là li chargé bien tout bagarre y a marché dans pays d'Haïti. Si vous n'avez pas capacité pour faire ça, ou déjà mettez en doute, ou déjà rendre que la justice dysfonctionnelle, est-ce que ce n'est pas même justice ça qui t'a arrêté Edwin Tonton pour corruption? Est-ce que ce n'est pas même justice ça qui t'a arrêté Charles Echancy pour détournement bien public? C'est la même justice ça qu'on dit que pas fonctionner. C'est vrai que nous, impunité a grandi, parce que la majorité de monde qui a arrêté dans la douette longue supérieure, dans le vol dans le pays d'Haïti, ils ont utilisé le problème humanitaire. Pour cap aller et vers loi l'Espignas pour vous directement pour cap tomber dans habeas corpus et pour cap permettre mon sortir dehors pour cap garder dans habeas corpus ça yo prend temps pour son choix de bataille pour tout voler pour tout assassin qui casse cet état c'est des lois ça yo dire que madame Edwin Tonton li bénéficier c'est des choses était bénéficier parce que au malade et les monde ça sorti dans la rue yo jam passé y a réglé activité faut que nous arranger. Si nous faisons pays, vous nous faisons payer. Et les États-Unis, peuple haïtien dit autant pis souple, qui est hypocrite. Pourquoi ça n'a fait là, c'est hypocrite. Gardez nous pas même faire des marches administratives eux-mêmes. C'est pour te bouer nos villes près. Bon, qui ça a empêché là, pendant Michel Joseph Martelly, qui gagne ensemble des soirées, qui continue de te kembe, et promoteur ou faire quoi? Des plus tickets qui vendent les personnes après nouvelles sanctions, ça y est, qui tombent sur Michel Joseph Martelly. Est-ce que moun sa yo qui pratiquement pral gagner pour aller activité sa yo qui a organisé est-ce que c'est haïtien? Est-ce que c'est haïtien qui pral là-dedans? Ça là de tout permettre nous comprendre que peuple haïtien li pas marcher collé avec ça qui trop bon. Peut-être c'est ça qui pas bon yo, c'est eux même qui vous mettez en valeur. Parce que si nous croit ça promoteur ou dit moun qui a organisé bal avec Michel Joseph Martelly yo. Donc, il y a ensemble des dates qui retenu pour question ça à Blaise Peterson. Qui date tué? Après sanction. Michel Joseph Martelly. Il y a 30 d'août pour week-end et le bordel là. Il y a programmé 30 d'août pour le jouer. Et il y a dit que deux à trois promoteurs, que Max Report parlait à qui Blaise Peterson. Pour question balle suite, Mickey. T'as de fait dans plusieurs villes États-Unis d'Amérique. T'as pour Jean de prévoir. Il balle yon rete kembe. Et il y a dit d'ailleurs, selon ça, yo expliqué, yo vann un pile ticket après sanction yo fin annoncé à Blaise Peterson. Fanatis jazz là, semblé motivé, mobilisé en plus pour yo vinn danser bal Michel Joseph Martelly. Premier bal li a, la bien pour 30 d'août pour week-end le bordel là. OK?
dans la boom night club il a gagné New York avec T-Vice et puis équipe deuxième balle qu'il a gagné hein l'a fait 31 d'août côté suite Mickey a joué pour contre lui dans Bamboo night club dans Washington 1er septembre l'a gagné pour jouer dans New Jersey l'a gagné pour jouer Pirate Balsa par Kingston les personnes ticket ou appelé devant ça montre est-ce que c'est l'autre nation c'est l'autre nation la situation pas un problème est-ce que c'est pas les américains est-ce que pas connait c'est dans balle yon drogue dealer yon corrompu que on va danser est-ce que pas au courant parce que en pile fois yon tout monde ça yo sensible pour l'intégrité yon pas dans ces coller avec corruption ben sou va danser dans ballon corrupte c'est corrupteur parce que on va dire c'est des bagages différents nèg qui était président que le Michel Martelly avec et chanteur suite Mikia c'est yon qui porte l'autre c'est yon qui fait popularité l'autre c'est yon qui construit l'autre je dis faut qu'on cherche qu'on est mais personne ça les États-Unis a joué là est-ce que c'est pas test de popularité l'a fait pour préparer terrain pour Michel Joseph Martelly peuple haïtien dit il y a pas besoin de ça peuple haïtien dit il y a pas besoin Michel Joseph Martelly encore parce que s'il y a vive dans l'abîme s'il y a vive dans tout sans fond ça avec gang qui occupe presque tout pays là c'est Michel Joseph Martelly et consort qui menait au côté OEA. Il pas continuer avec Michel Joseph Martelly encore blessé ça. On en vient avec un monde takou Jean Desia Pierre Espérance. On vient avec Pierre Espérance qui est même parlé avec confrère nous Assad Volsi dans Gazette News Haïti. On vient avec toi là. On vient avec monsieur dame avec Pierre Espérance et qui Jean Desia là, monsieur parle en pile causé, il parle sur de ces Martelly hein. Parce que monsieur sali décision ça et monsieur ça pas étonné parce que tout le monde connaît qui est-ce qui Martelly. On connaît Martelly c'est tout c'est on est qui gangsterisé question gang dans pays Jean Desia qui légaliser ça. Maman qui t'es espérance parler parce que en nous de espérance parce que moi c'est la fait bien si c'est nous tendez la joie et nous on laisser mon cap dit mais ça dit. Pas ni 1% chance que si Américain ou pas de laguer Joseph Michel Martelly pour rapport Nations Unies ta sorti aussi à cap blanc contre monsieur. Ouais. On dit que rapport monsieur dame comité sanction qui vient en Haïti qui fait enquête yo qui était présenté Martelly comme la dit papa gang yo dans pays ya et puis Petro Caribe voler l'argent Petro Caribe oui, donc par aucun gens dit américain pas déjà la guerre Martelly pour rapport ça t'est sorti non pour non Martelly t'a sorti la donne non pour non Martelly t'a sorti aussi à câble dans rapport comprendre ça c'est que tu déjà la guerre bien sûr et c'est ça on voulait dire que dans son unité travaille pour États-Unis ou bien sous coupe les États-Unis qui est-ce qui bail plus comme dans les Nations Unies États-Unis c'est Amérique alors qui finance commande Amérique alors et pour se poser une question ça ne peut se comprendre non on va prendre ça soit fond oui alors c'est ça mon cap financier c'est lui-même qui commande donc depuis la sortie de la guerre monsieur. Non, moins d'où depuis 2019. Oui, oui, oui. Et qu'on y a, moi analysé le rapport 2023, on dit, et rapport ça, pour Jean, non Joseph Michel Martelly sorti la donne, Jean Lacablan la donne, si les États-Unis pas la guerre, et si les États-Unis continuent à supporter Martelly, et rapport pas sorti aussi à Cablan pour Martelly. Rapport à tout sorti où il va être aussi accablant. Et dans rapport ça, il y a bon genre d'informations sur relation Martelly avec gang et question l'argent Petro Caribe li volé. Et sous question et gang là, gain pour pipiti des rapports la police judiciaire fait et qui bien détaillé. Qui montre et Martelly c'est chef gang, c'est papa gang. Tu rapport de CPJ? Oui. Et qui est pour qu'on s'en fait? C'est des rapports qui sortent sous administration Jovenel Moïse. Et c'est le rapport qui sorti. Tu as enquêté sur Martelly ou bien son mari qui vient comme si au hasard? Comme ça? Non. Et généralement, le enquêteur de CPJ il a fait travail yo, et c'est des gens qui bien et formé par exemple le yo et a enquêté sur des gangs et puis ou bien sur des autres monde il a gardé information croisée tant communication et pas quoi c'est
une enquête qui te concerne Matéli, mais c'est par exemple, et là où il y a un bandit dans le milieu, tant qu'on est dans le colonel Joseph, qui t'a expliqué, j'en ai qu'on a communiqué avec Joseph Michel Matéli sous téléphone, il y a une sécurité et Matéli, et il t'a dit tout, Matéli qu'on voit comme Bali. Donc c'est là, c'est à travers ça. Vous êtes intéressé à regarder. Il a monté. Mon dossier sur Matéli. Sur Matéli. Et rapport ça, c'est des rapports qui accablant. Quand il arrive dans le paquet, paquet classé au sans switch, sans suite, excuse-moi, ou bien si vous voyez dans le cabinet d'instruction, dans des canards, et doyen, mettez-vous au côté, il va distribuer, il va voir le bail au Kenji. Et pas sans raison, ou après que, à l'exception des dossiers et l'assassinat Jovenel Moïse, Matéli n'a pas jamais devant la justice, ni pour Petro-Caribé, ni pour relation avec Gang. Donc vous voulez dire que le rapport ça a été soumis au paquet? Oui. Il n'y a jamais rien avec eux? Non. Sous Jovenel? Il n'y a jamais rien avec eux. Et, panel sanction, qui travaille pour le comité sanction, qui fait plusieurs voyages, par exemple pendant l'année 2023, il a fait pour plus de 3 voyages en Haïti. Ils ont ramassé information ça, ils ont analysé et ils ont parlé avec nous, ils ont eu lien matériel avec gang. Contrairement avec sa bandit légal yo Abdi et criminel notoire yo moun ki gang CGPIA qui impliqué dans banalisation la vie moun, c'est par rapport à RNDDH. Même Jean là ou dit dans micro ici et dans micro Assad les ont analysé ordonnance juge et Jean-Roulet Moréen sous la saline, pas aucun côté où il fait état de et FJKL qui fait rapport, ni Nations Unies, ni RNDDH. La police. Donc je servais avec rapport la police, oui. Rapport avec la police. Oui. C'est ça, moi. Oui, mais pour être capable de mettre projecté sous nous, et ils disent c'est nous-mêmes. Ils disent c'est nous-mêmes, c'est tout comme ça. Mais c'est nous qui faisons rapport, pourtant c'est DCPJ. DCPJ, je servais à rapport DCPJ. Mais comme de nous là. Mais après tout, nous pouvons faire rapport par nous tous. Non, DCPJ. Nous faisons rapport nous, avant DCPJ. Avant DCPJ. Bien sûr. Oh, oui. Mais ça ne veut pas dire que et la police judiciaire, si vous avez besoin d'une victime, vous avez besoin d'un monde, et qu'il y a une organisation de monde qui te parle avec Mounsa, qui va contacter Mounsa. Absolument. Il est capable. Mais les contacter Mounsa, c'est eux-mêmes qui vont auditionner Mounsa. Ce n'est pas sous ça ou Ikra qui est basé. Donc, sur question de gang, relation avec gang, le gouvernement américain n'est pas trompé. Il n'est pas trompé. Maintenant, sur question de drogue, ce n'est pas domaine. Ce n'est pas domaine, pas nous. Nous-mêmes, nous n'avons pas enquêté sur question de drogue, mais pas oublier et américains. Il est présent en Haïti sur question drogue avec BLTS. C'est Dié. Et BLTS travaille pour eux. Et Dié. Dié qui dans l'ambassade. Donc, l'OE américain et département de trésor sorti une information qui dit que tel monde impliqué dans la drogue, il y a une information, c'est enquête par eux. Par contre, si c'est un dossier qui est sanction qui concerne les violations de la monde, laisse ça. C'est vrai, il est capable de trouver un officier de l'OAMON et dans l'ambassade là, mais il n'y a pas une structure dans le DCPJ ni l'ambassade là qui peut enquêter sur la question de l'OAMON. Généralement, il reprend ça et la police dit, ou bien sa organisation de l'OAMON dit. Et c'est presque le même bagage pour la question de corruption. Mais pour la question de l'OAMON, c'est domaine par eux, il y a une information. Donc, est-ce que. C'est département du trésor américain quand même qui sorti Baïza. Oui, mais attention. Département du trésor, pas ni dans le département d'État, ni dans la Maison Blanche. C'est vrai, bio est tout près Maison Blanche. Et département du trésor, pour les sanctionner les gens, c'est à partir des informations du département de justice Baïli et département d'État. Ah. Oui. Donc c'est eux qui fournissent l'information. Oui. Dans justice et département d'État, bail, département trésor. Oui. Donnez oui. Et puis ils sanctionnent. Oui, c'est pour eux travail. C'est eux qui ont l'information. Quel niveau fiabilité Baïza? Qui est ça dedans? Il a dit sanction ça, information que bail. Est-ce que automatiquement le département du trésor sort son dossier, soit est-ce que son bail qui coude dans le béton? Ah ben, moi d'où que généralement et dans Haïti, Amérique n'a pas fait rien dans la question de drogue dans le monde possible parce qu'il est au souterrain. Donc ça veut dire que
et normalement c'est des informations qui fiables parce qu'ils sont présents. Et pour question gang là, pas oublier dans information qui sorti hier dans le département trésor avec tout ça porte-parole département d'état dit yo dit Mateli nan drogue et absipote gang il dit la blanchiment et il dit la blanchiment Assad pas oublier rapport Nations Unies sous sanctions yo dit Mateli nan blanchiment et nan gang et là on a parlé des gangs yo c'est pas seulement Genève c'est Genève et GPEP les Mateli était président petit Gabriel en Cité Soleil était en prison et c'est Mateli qui mettait le dehors songez il était fait la gueule Mateli et même Jean Mateli a une relation avec et GPEP il a une relation avec Genève donc voilà donc on confirme que Mateli contrôlait gang yo Mateli grand prise sous gang yo non nous pas parler dit jour ni jour d'ya et gagne monde dans politique qui gagne et en prise qui gagne main sous et qui c'est chef gang yo pour plusieurs raisons gang yo développer propre autonomie yo dans voler marchandises ou et monde dans secteur privé yo dans kidnapping et puis on connaît n'importe monde qui gagne petit business c'est en fonction des et valeurs business et pour qu'on coupe pour payer dans certaines zones donc ils ont une certaine autonomie mais li gen relation avec yo et les li besoin et peser accélérateur ça veut dire que mettez pays à tête en bas il y a besoin de service oui les matériels besoin mettre pays à tête en bas dans un service gang yo oui alors les matériels et on dit PHTK ya Donc PHTK non je ne jodi a Pierre Espérance yon sanction comme ça par exemple qui conséquence li c'est-à-dire sous Mateli politiquement et économiquement même comme en tout cas politiquement économiquement qui conséquence ça gagne plus on regarde d'abord et politique bon politique Mateli et PHTK yon cadavre comment politiquement Mateli avec tout PHTK yon cadavre politiquement le cadavre là oui mais Mateli était moun même j'aime te dire Guy Philippe c'est un cadavre là donc ça son deuxième cadavre qui fait gain là avec Guy Philippe l'autre politique là l'autre dit deuxième cadavre là on parle seulement Mateli non on va parler ou dit Guy Philippe Mateli et PHTK oui Mateli PHTK oui donc non seulement Mateli monsieur cadavre politiquement mais oui. Son parti aussi oui pour qui ça eh ben écoute je dis même si yon moun ta résider aux États-Unis ou bien citoyen américain à partir de décision américain au prend là et c'est pour la première fois depuis le régime sanction a commencé américain livré au monde la caillou comprends ça vous avez dit monde la caillou non Mateli résider aux États-Unis ah ok bon moi je voulais dire parce que l'américain oui Mateli mais ça ni moi-même ou même nous connaît et société a connaît les Mateli tes candidats le président li te gon passeport américain ça t'a étonné que Mateli pas toujours un passeport américain ça mais s'il pas gagne au moins c'est le résident mais s'il résident avec sanction ça il plus grave lui parce que si c'est résident il a résidé il est capable même river retirer résidence résidence là oui et puis après un pays là il a déporté non monsieur retirer résidence vous pas arrêter encore bon même le mon yo un passeport américain à un moment yo déporté le voir pour un résident donc et Mateli sont résidents aux États-Unis l'un dit résident la vie des États-Unis oui il est capable gagner 4 vêt là mais j'ai gagné un passeport américain oui alors l'un dit la vie aux États-Unis ça pacifie ça dit que quelqu'un doit vivre États-Unis ou illégalement et mais non certains sont capables de résider mais j'en ai dit résider n'a pas parlé de façon légale et Mateli et ligon passeport américain ou bien ligon 4 vêt nous j'ai les on est ici on parle anglais green card là green card oui on me dit anglais on dit que sanction ça c'est le green card par exemple il y a plus qu'à il y a retiré puisque son graphine de drogue et puis la caillou entend je ne dis à tout le monde spéculer sur question
et ça département trésor d'hier et l'organe li ou ouais sanction matelia li pas dans même niveau avec de l'autre politicien que et département trésor est sanctionné si nous voulons parler de Yuri avec Lambert mais attention monsieur ça pas résider aux États-Unis comprenez-vous il pas résider aux États-Unis et si là dedans il y a petit yo avec madame yo qui citoyen américain ou après pas concerné yo pas impliqué madame pas concerné mais par contre si département trésor a sanctionné yon haïtien qui et un étranger qui vit qui connaît qui a un visa et ben sanction ça la applicable pour famille tout comprenez mieux ça mais les son résident famille pas concerné et il pas concerné il pas capable concerné oui si par exemple yo tout et évidence que gagne yo et puis yo, ou bien régime sanction la bayo et yo dit bon moi même bon pour drogue intel la blanchiment l'argent pour etc. Donc ça il concernait seulement Joseph Michel Matéli mais et j'aimerais dire ou et yo sanction que bah il y a pas bloqué compte ni en banque il va bloquer compte en banque non mais cependant dans moment qu'il n'a pas lié là Matéli capable de retirer comme dans banque li pour la maquette dans la maquette. Oui, il est allé dans cinéma. Et il jouait. Il cache son sandwich. Oui, il jouait casino en pile. Il est allé dans casino. Il. Qui l'autre bagaille encore. Il est capable de continuer. Si il a un mortgage, il est capable. Tout ça, c'est pour dire que M. Bakar prend un gros cob la banque. Non, il est limité qu'on y a. Mais nous ballon tarif ou bien non ça tu as annoncé tout le monde a spéculé même il y a même avocat et yodou et ça veut dire c'est spéculé mais c'est par rapport avec nature sanction Jean Lia et San Diol Kafel mais et dans le moment qu'il n'a pas lié là nous pour qu'on ait s'y engagé une poursuite contre Joseph Michel Matéli. Nous pas avocat monsieur dit il y a pas l'abspéculé. L'abspéculé. Oui, c'est ça. C'est ça que fait oui. Bon. Oui, oui, c'est oui, pour oui. Information qui Non du tout parce que les médias américains que c'est CNN, que c'est Miami Herald, New York Times, Washington Post contacté département trésor, ils voulaient parler avec département d'état. Les contacté département d'état, ils voulaient parler avec département justice, département trésor. Ça veut dire que il y a des informations qui ont pas ils ont pas voulu mettre dehors pour plusieurs raisons et vol si Assad. Par exemple dans le dossier ça si il y a de l'autre monde qui concerné qui pas résidé aux États-Unis et que yo voulu prendre pendant l'entrée aux États-Unis, il y a des informations que pas mettre jusqu'à ce que pour mon entrée. Oui. Pour venir dans panier. Oui. Pour être dans pèlerin. Oui. Donc nous pas qu'à dire Josia que pape pas faire poursuite contre Matéli. Non, pas rien monde qui dit ça. Pas rien comme ça. Non. Et avocat qui a parlé à son spéculation. Oui, il a spéculé. La spéculé. Donc journaliste a spéculé. Mais c'est vrai l'orga des et régime sanction et ça me dit capable faire par exemple dans le moment qu'il a parlé là jodi là ou pas capable ou et bon pas ou même l'autre bandit illégal yo tant comme Magali habitant voilà l'autre monde pas capable faire transfert par Matéli aux États-Unis non Matéli pas capable faire business avec les citoyens américains aux États-Unis ou comprendre ça veut dire mais Gajubal qu'est-ce Gajubal Li ka jwe bal? Est-ce qu'il a joué bal? Promoteur contacté le payer à jouer bal pour payer lui? Oui. Et écoutez. Fond transaction. Mabdo. Si qu'on y a dans moment ça la fond bal à soya là et c'est madame qui a payé ou l'autre monde mais pas lui même. Comprendre ou comprendre dit li ka chanter à soya. Mais me dit mais écoutez oui. Maps c'est pas rapport avec ça nous oui mais pas grand qui dit que donner pas changer plus tard non
comprendre mes amis de là, ils sont capables de changer. Mais qu'on soit, qu'on soit tout, et nous ne devons pas qu'on ait rien, qu'on y a. Et pour suite, nous devons engager, et puis pas aucun. Une communication pas aucun document qui sorti. Ça dépend de ça que vous voulez. Mais faut qu'on reconnaisse tout, il y a tout ouvert pour et Nations Unies là. Parce que donc on voulait dire automatiquement Martelly pral sanctionné par les non pas déjà. Moi dis que ouvert porte la baie et Nations Unies qui ca sanctionné. Oui. Que journée je dis à qui est-ce qui pral et fréquenter PHTK. Là on prend chef PHTK pour question drogue. Alors les sanctionnés pour drogue et kounye là ils ont renforcé sa Nations Unies India question gang. Donc ils ont pas fréquenté PHTK vient fréquentable alors infréquentable ils ont pas fréquenté. Oui, PHTK c'est pas Martelly, c'est un parti. Ah bon, il n'est même pas le chef comme si attitré son chef n'a pas dit honorifique. C'est de créer partie, c'est vrai, mais c'est de Nibaltas dans cette partie. Ok. Est-ce que ça capable de conséquences sur toute partie? Oui, mais les conséquences ont commencé depuis hier. Depuis hier? Bien sûr. Comment ça? Eh bien, cherchez qu'on est là. Vous expliquez, bien. Ou des conséquences ont commencé? Expliquez. Martelly pas fréquentable, PHTK pas fréquentable, je ne veux dire. Désormais? Oui, c'est fini. C'est cadavre politique. Et les États-Unis? Et les États-Unis, encore? Mont Blanc, oui. Ok. Les États-Unis. Bon, désir, me permettre que mon attendez, ok. Permettre que mon attendez toute interview ça que et alors dans toute intégralité c'est quand interview ça que Pierre Espérance ben avec Assad Volsi sous Gazette News Haïti. Désir. Bon, même Pierre Espérance, lui parlait de spéculation. Il y a ensemble mon a fait. Par contre si Pierre pas essayer d'autres remarquer, il semble a fait même ça qu'il a essayé de dire que l'autre monde a fait. Ok? Parce que lui parle de oui, Michel Joseph Martelly Kajoubal, ensemble contre yo, yo honoré yo, pour yo payer yo, c'est à travers, c'est par l'argent cash que oui, les personnes. Si les États-Unis mettent une restriction sur transaction Michel Joseph Martelly gagne la banque, comme peut-être c'est pas sous nom, c'est une entreprise qui est liée, mais il a parlé de business à compagnie Michel Joseph Martelly, qui a mis en grosse difficulté pour quel que soit promoteur, pour faire virement au nom de suite Mickey, que Michel Joseph Martelly est membre fondateur, créateur de Blaise Peterson. Nous devons essayer de regarder le premier point. Ça. Je dis, oui, nous d'accord, Michel Joseph Martelly, PHTK, c'est pratiquement fini. Si sanction ça yo, yo révélé vrai, c'est pas gagné qui dit que même département trésor ça pas pral arranger pour dire qu'il bail Michel Joseph Martelly et on paquette l'argent parce que yo estimé que yo te fait à fond avec Michel Joseph Martelly. Parce que c'est même yo même, c'est petit garçon yo. Moi dit qu'il doit son test qui a essayé d'autre faire là sur le terrain pour regarder est-ce que Michel Joseph Martelly toujours puissant et même yo même qu'a metté batterie d'avocat disponible pour Michel Joseph Martelly ou algain procès. Peut-être nous-mêmes, c'est analyse à considération qu'il a fait. Parce que parler de drogue, cocaïne directement, il n'y a pas dans toute littérature ça. C'est action directe contre le monde qui est concerné dans la question de Zakla. De fait, ce n'est pas là qu'il nous couille. On nous étonne, on garde pas à pas dossier si là, mais nous couille les personnes. La privée dans un fait, Michel Joseph Martelly, pour contre lui, les cap envie, si je suis détecté. Les cap envie, tout y est. Parce que lorsque tout ça a pesé sur le dos, question corruption qui est liée avec Petro-Caribé, passage Michel Joseph Martelly comme président de la pays d'Haïti, il passe de l'autre bagaille. C'est corruption, banditisme général qui vient de dans le pays. Les tout le monde a pratiquement essayé de répéter un seul bagaille. Ils ont analysé, ils ont fait confrontation entre ensemble de ça qui ont gagné. Il a pratiquement colté. Laisse ou gagne responsabilité directe. Et responsabilité al pa gal l'autre, c'est responsabilité pénale qu'elle va lié. C'est poursuite pénale qui va le faire dans quatre dossiers. Peut-être qu'il a pris du temps de l'expliquer son. Tant que Jean Mounio a pris de temps par rapport avec Jean Bala et là dans le pays, il peut-être pas joué ni comme ça. Ok?
Mais au fur et à mesure, Michel Joseph Martelly a gagné pour le pal fini dans la prison quand même, dans le cadre de ses sables d'expression. Bon, le dossier qui est là, c'est un dossier sur question Muscadin, qui est ancien député Boujolis, Gérald Boujolis, monsieur qui parle concernant le dossier Muscadin, commissaire gouvernement Miragouane. Monsieur Galette a même demandé pour qui ça pas, il va mettre Muscadin comme secrétaire d'État sécurité publique. Parce qu'on est capable de travailler comme ça. Et il est capable non plus au niveau pour qu'il est capable d'aider bah, un gros bourrade avec l'État haïtien. Bien que Muscadin toujours dit lui-même, il n'a pas besoin de poste en plus haut niveau. Quitter le côté lien là, bah, le moyen, diaspora KPDL et lui-même l'avancer le travail. Et je dis un peu le monde dans la diaspora, vraiment, bien que ce n'est pas tout, mais il y a des gens qui peut-être apprécient le travail Muscadin. Hein? Et un peu le campé de Muscadin, tout dans le bourrade de support sérieux. Et je dis à Nabdi, est-ce que Muscadin lui-même, est-ce que déclaration ces députés Boujoli fait, hein? Comment plus mon Noël? Est-ce qu'un plus mon accepte l'entre de ces députés Foudjia Boujoli? Ce gouvernement qui est là, qui peut avoir responsabilité, surtout nous demander au premier ministre Gary Konisa pour mettre des hommes et compétents dans ces deux fonctions. Et, par exemple, il y a un monde qui voulait gommer contre la sécurité. Moi, je me dis, ou pas qu'à prendre chez méchant pour mettre le gourmet avec chèque pas méchant. C'est que le monde qui bandit, c'est le monde qui a correspond à bandit pour mettre gérer bandit. C'est que moi-même, je dis ça. Muscadin, le commissaire du gouvernement, n'est-ce pas, de Miragouane. Et que prend Muscadin mettre le secrétaire d'État à la sécurité publique et que ballon compétence territoriale et nous bouquet dit ça et que l'appli même qu'à gourmet bataille contre les bandits. C'est ça pour faire. Et que moi, je pense que la police. Et que nous pensons que le directeur général AI, la police, là, que lui doit prendre responsabilité pour jouer avec le premier ministre, pour jouer avec le ministre de la Justice, M. Carlos Sercul, pour dégager au profond task force, pour combattre les bandits. Comment vous voulez comprendre que le monde dans le sud n'a pas capable de l'agresser? Le monde dans le sud a quitté, descend. Et que le bandit a couru arrivé. Et Tigouave, c'est Boutli, parce qu'il connaît Muscadin. Depuis le Miragouane, Muscadin, pas manqué de sa mérité. Or, ça veut dire bandi, c'est zone Ake, zone Miragouane, c'est zone Sao qui gagne sécurité. Commissaire gouvernement qui a tout, a dû examen, au moment tout, la baille ça a mérité. Et que les parents avec bandi. Et que tout comme Muscadin, tout parents avec bandi. Mais ce type de monde, c'est eux-mêmes pour prendre, pour mettre. Si vous voulez mettre Muscadin, mettez à l'examen et secrétaire d'État et à la sécurité publique. Et quelqu'un résout le problème. Non. Mettez des gens qui connaissent qui sont capables. Et bon, plus, faire Muscadin confiance dans ça. Et question bandit, banditisme. Et que Adrien lui-même plus bon en bas droit, domaine, comme si il doit appliquer la loi. Même parce que Muscadin lui-même, bah, banditisme, c'est domaine. Bien que Adrien tout, bah, bon coup de main tout, la dame, Adrien pas vrai bandit tout. Même parce que. Et Mounsa aussi, le gouvernement voulait coup de main, il a fait ça. Mais lorsqu'on est comme Muscadin, comme commissaire du gouvernement, qui a un résultat, ou pas le gouvernement pas le prendre pour mettre le résoudre le problème, non, c'est parce que le gouvernement lui-même pas de volonté, et nous-mêmes nous dit. Et nous dit nous-mêmes, autre que les amis, mais il y a intérêt pays d'abord, le premier d'abord, soit fait les amis. Bien que nous sommes amis, et que Gary Koni, nous sommes amis Carlos Hercule, et que le ministre de la Justice, si on ne peut pas rien, l'autre semaine, nous prenons demander aux populations, ces mêmes petits bagages-là, pour nous lever contre quel que soit le gouvernement qui ne peut pas rien ou bien qui a cautionné le banditisme. Lorsqu'on ne peut pas cautionner le banditisme, il faut dégager et que montrer qu'il y a gourmet contre le banditisme, contre les bandits. C'est que vous mettez des gens qui ont fait le job là, et que nous ne pas au moins pour Gary Koni, le premier ministre, pour Carlos Hercule, le ministre de la Justice, pour nous faire territoire perdu toujours. Côté la police a fait. Bah la police d'âme, bah la police moyen, pour compter carré bandit, épurer la police nationale là. Parce que les policiers qui sont bons, ils ne sont pas d'accord même pour travailler, même côté avec les qui comme Marie-Sauce, c'est un bandit, parce qu'elle a fait tuer, ils ne sont pas fait travailler bien. Il faut épurer la police nationale. Je connais les gens qui ont fait travail d'épuration pour la police nationale. Allez, faire. Et moi-même, c'est ça que moi-même, je dis Nomil Rameau. Comme directeur et général de la police nationale, c'est là que je m'habitue à travailler ensemble avec lui. Déjà, le président de la commission de justice, monsieur capable, c'est pour le mettre là avec le premier ministre Gary Koni, ensemble avec Carlos Lebon, avec Carlos Hercule, ministre Carlos Hercule, pour dégager au bail un résultat dans le domaine et banditisme dans le pays. Au moins, je m'en dis ça, si on ne peut pas faire,
semaine qui a venu, n'a pas obligé de retirer ou mettre l'autre monde. Parce que nous avons besoin des monde qui pour gommer contre les bandits qui pourraient être payés et pour payer la sécurité. Et à qui des problèmes de sécurité, au cas des problèmes de sécurité, au côté des problèmes de sécurité. Et nous constatons que les gens qui ont gommé contre les bandits, nous avons laissé ou même retirer, ils ont mettre par maille. Ça veut dire qu'un commissaire du gouvernement, un commissaire du gouvernement, il doit servir contre tout le monde qui sortit pour mettre zone côté là non en situation de sécurité. Nous avons mené justice à prendre décision pour transférer le commissaire James Jean-Louis et puis révoquer le commissaire Azon à la juridiction Koto. Ça, vous pensez de ça? Bon, de toute façon, je ne sais pas si vous avez mené justice là, c'est l'État qu'on a pour qui motif que les révoquer. Comme le commissaire du gouvernement qui a révoqué à n'importe quel moment de la durée, s'il fait, c'est peut-être qu'il y a de bons motifs pour ça, mais nous connaissons que Azon, c'est une année qui a boumé contre, n'est-ce pas, le bandit ici au Koto et que mon commissaire Jean-Louis et tout, nous avons pile. Débat pile parole à la radio, nous pas qu'à confirmer si oui ou non, parce que le commissaire du gouvernement, tout, il n'y a pas qu'à pas de faire tout, de respecter la loi pour ne pas appliquer la loi. Si ou même qu'à ou pas appliquer la loi ou à faire des ordres, c'est normal que le ministre justice a prévoqué, il a toujours pris la décision. Ça fait là, nous pas qu'à dire grand chose, n'a justement le ministre justice pour le révoquer. Tout le commissaire du gouvernement n'a pas fait de job, qui a fait abus. Qui a fait abus d'autorité, qui a tué monde, qui a fait crime. Mais tout commissaire du gouvernement tout, qui a fait travail bien, qui a combattu le banditisme, que le commissaire Sayo pour le renforcer, c'est juste ça, nous demandons. Un message pour nous finir. Bon, un message, moi, je m'a demandé au Premier ministre, qui est chef CSPN, je demandé au ministre de justice à Carlos Lebon, et à Carlos Hercule, et que je demandé tout, directeur général et la police, et M. Normil Rameau, pour prendre toute la disposition nécessaire le plus rapidement possible pour bâtir sécurité dans la zone Gressier, dans Port-au-Prince, et au Kay, à Kay, Niagouane, tout l'autre côté. Donc, nous n'avons pas qu'à passer. Moi, j'ai des dossiers là, mal plaidé, je n'ai pas qu'à le plaider parce que il y a des zones, je n'ai pas qu'à aller. Et vous pas qu'à passer Gressier, pas qu'à passer Léogane. Nous demandons pour rapidement débloquer Matissan et que faire la police intervenue. C'est ça. Et puis, police nationale. C'est ça, ma demande. Sécurité dans le pays. Si vous pas capable, nous avons obligé de changer pour nous mettre l'autre monde. Bien que vous avez 16 ans, nous avons aimé, c'est vous-même qui avez dirigé, qui avez gouverné. Mais il faut dire que vous avez un résultat. Si vous n'avez pas un résultat, même nous-mêmes qui avons parlé là, c'est nous-mêmes encore pour aller lever. Et dans le coin, nous avons pu aller parce que c'est le résultat que nous avons besoin pour le pays. Nous voyons le gouvernement a voulu renouveler l'état d'urgence dans le pays. Ça, vous pensez de cette situation? Bon, nous pensons que le gouvernement lui-même a pris toutes les mesures que lui estime qu'il est bon pour lui mettre la sécurité dans le pays. Depuis ces mesures qu'il a pris pour mettre la sécurité dans le pays, pour garantir la sécurité de tout le monde, nous n'avons pas de problème avec lui. Il a pris toutes les mesures qu'il veut. Et ceci est le tour du monde. Tout le pays a connu que les bandits envahissent Niagouane à l'aide de messages qui ont gardé de la guerre. Donc c'est le message qui ont gardé de la guerre qui permet que les gens, même la guerre, soit là, qui répondent que les bandits envahissent Niagouane. Alors que nous-mêmes, nous là, nous avons vu les gens, nous avons nous soif, nous avons délégué pour et délégué pour nous, directeur la police. Des autant nous tendez, ancien député Boujoli, qui lui même parlé et qui trouvait que lui mandé avec autorité dans plus haut niveau qu'il a yo. OK. Et que a arrangé yo. C'est vrai commissaire qui lui même pas fait travail yo, il pas gain droit là, mais ça qui a fait travail au là et au contraire c'est renforcer capacité de production yo et pour permettre qu'il y ait résultat. C'est vrai Muscadin c'est on n'a plus mon société à juger qu'a font travail. OK. Parce que vrai ou pas je dis hein, ni plan, il est toujours il est un cimetière pour quel que soit bandit à tout faire. OK. Et Muscadin toujours dit ça, les même cadavre nèg pas quitter traverser dans ni pays des pour capable finir. Bon, même penser que je dis ensemble à poste qu'a essayer dont on fait yo. Pour Muscadin t'a peut-être dans un autre poste qui plus honorifique ou bien on poste à côté où estime quel cap bail résultat qui plus collectif. Et qu'on y a, est-ce que l'État a une volonté ça? Les n'a regardé ensemble organisation qui défend de la Mounio qui déjà prend position à l'encontre des Muscadin soit pour demander pour évoquer. Je dis même penser que peuple haïtien a besoin plus solidaire avec Muscadin dans le cadre de combat qu'il a mené pour permettre que sécurité rétablie dans le pays et autorité dans la justice avec la police dans la politique dans le pays qui prend job là qui d'accord pour un problème qui existe là qui lié avec question insécurité faut que résout problème insécurité là pour y aller en question élection pour faire référendum qui a parlé c'est pratiquement 19 mois qui rien
Mais il a franchi là sous 4 à 5 mois et on va aller. Pas gagné qui lui fait et mon pas qu'attendre la situation. L'école va l'ouvrir dans le mois d'octobre qui a annoncé. Jusqu'à présent, pas gagné qui clair pour peuple haïtien pendant le gouvernement parler de petites subventions qui ne peuvent présenter rien pour parler avec les élèves de la situation. Merci à Pile Désir Venesse, merci avec chaque grand ami qui t'a regardé et puis t'a démission et quatre vérités sous mes sacs nouvelles blessés, faut prendre une nouvelle vote, quelle base, faut racer nouvelle Haïti. Je n'ai toujours des amis, yo, like, partage, écrit un commentaire, et si n'a pas de sur média ça yo, abonnez avec nous pour nous capables de grandir la communauté ça yo. Désir, n'a croisé dans la mi-temps journée, mon frère.